Salut Stéphane. Salut. Bon, ben, je suis ravi de te rencontrer à nouveau. Pareil. Donc sur cette tournée Guitar Universe 2012. Alors ben, pour commencer, est-ce que tu peux décrire un peu ton ressenti jusqu'à ce jour-là sur la tournée Déjà entre tout le monde, ça se passe super bien. Très bonne entente. Un rapport humain vachement bien. Il y a toute une grosse équipe israélienne puisqu'on fait partie mu tout seul au départ. Après, pour d'autres raisons, il a fait venir son batteur en urgence, mais voilà. Et donc, lui, il est accompagné par les musiciens, lui aussi, et donc son batteur. Et donc, voilà, non, tout se passe super bien. Alors, depuis le début de la tournée, est-ce qu'il y a un public particulièrement qui t'a marqué sur le nombre de dates? Dublin. Ça a été le top. Ouais. Dublin a été vraiment, vraiment super chaud, super enthousiaste, vachement sympathique. Tout le monde venait. La plupart des gens venaient dire bonjour et tout ça à la fin, et donc ouais, Dublin. D'accord. Et Toulouse. Toulouse aussi, Toulouse aussi, ouais. Ils ont été vraiment, D'accord. vraiment chauds. Est-ce qu'il y a un passage favori, un titre favori, ou à un moment donné, une section favorite que tu affectionnes particulièrement, que tu attends Moi, genre, plus ça va, en fait, plus j'aime jouer de façon mélodique, plus que je shred. J'adore le shred, hein, mais c'est l'âge qui fait que, je sais pas, mais je préfère travailler le son et les tenues de notes et le travail mélodique, et donc en fait les deux premiers morceaux sont généralement ceux que je préfère jouer. Et après on tape toute la partie plus technique, et comme il y en a quatre d'affilée qui sont assez chauds, là on est un peu plus concentré, quoi. Mais D'accord. sinon ouais, on va dire on se régale de jouer tout le set, mais moi j'aime bien jouer les deux premières. C'est des titres qui sont aussi de ton album solo qui est sorti l'an dernier. On joue pratiquement tous les titres de l'album. D'accord. Sauf un. D'accord. Celui qui s'édite pas l'album, c'est quoi? C'est un C'est l'improvisation sur le titre. D'accord, ok. Quelle guitare tu utilises sur scène? Je me doute de la marque déjà. Ouais, la Mélac Signature, ouais. Principalement deux. J'en utilise qu'une à chaque fois pour le soir, parce que je suis pas en général, je change du bois. J'ai pas pété de cordes ni rien. Mais donc la noire, principalement. Et là en ce moment, c'est la violette. Donc c'est les 7 cordes, 27 cases. Ah, les deux guitares ont la même config Ouais, c'est mon modèle Signature. La première, c'était le proto. Mmh. La noire, c'est la finale. C'est le commercial. D'accord, donc c'était deux guitares, il n'y a pas d'acoustique, je fais pas d'acoustique. Métal. Total. et les amplis, non, les amplis, les effets. Alors là, il y en a beaucoup, tu devrais demander guitare tête, parce qu'il y a quand même pas. Principalement. Principalement, j'ai deux têtes, j'ai une Rectifier, une Mark 5, que j'utilise. C'est quoi ces amplis? Les amplis. Et donc ça, c'est dans un rack, juste pour mettre les amplis. Dans l'autre rack, c'est un 20U avec tous mes effets. Dedans, j'ai un Foreman dessus, un DBX comme ça de compresseur, un Fractal, un G Major, c'est Electronics, un IntelliPitch, Rocktron, un GCX, Grand Control pour contrôler les changements de tête. Ouais, d'accord. Un GeForce, c'est Electronics aussi. Je sais pas si je le sais pas. Je suis pas super connaisseur dans tous ces trucs-là. Et donc ouais, dans les trucs principaux, après j'ai trois pédales qui me servent à booster les amplis. J'utilise une DS9 Ibanez pour modifier, booster la Rectifier, et une MXR GTOD pour booster en ligne sur la Mark 5. D'accord. Et l'autre c'est juste un booster en ligne, un booster de signal dans le mixer aussi. Bon, ça va, t'es bien équipé donc. Ah. Alors sinon, tu as récemment rencontré Jason Baker aux States. Tu tournes en ce moment avec Marty. Donc je sais que tu es très fan de ces artistes. Tout ça doit être plutôt agréable. Ouais, non, c'est clair. Donc est-ce qu'il y a encore d'autres rencontres de ce type que tu aimerais faire? J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de mes maîtres. Déçu par certains et enchanté par d'autres. Là, non, dans l'immédiat, non. Mais. Donc, à ce niveau-là, au niveau de tes peut-être rêves. Mes rêves de gamin. Voilà, de gamin. Ouais, même Steam, tu l'as rencontré, ouais. Il y a plus de 10 ans. Il
fais partie de ceux à qui ça s'est bien passé. Non. Ah bah tiens. Mais attendez, donc c'est pas grave. Alors, sinon, comment se porte Adagio? C'est en stand-by en ce moment. Ah, je m'attendais pas à cette réponse. Ouais, parce que je suis sur un autre groupe que je suis en train de monter. Donc, c'est ma priorité pour l'instant. Et Adagio, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que... Bah, au niveau business, en fait, ça se passe pas comme je voudrais que ça se passe. Ça fait 10 ans que ça existe, pas plus même. Et c'est pas le genre de chose qui pourra me permettre d'atteindre des objectifs. En tout cas en termes de business. Donc plutôt que de faire comme plein d'autres groupes qui se raccrochent à leur truc et qui préfèrent foutre en l'air leur carrière en s'accrochant à un truc qui marchera pas, moi je préfère revenir à la duo juste pour faire des albums vraiment prog et faire un truc vraiment musical qui t'a pas vendu et pas tourné. Et faire un autre truc qui correspond déjà plus en ce moment à ce que j'aime et à ce que j'écoute et qui a un potentiel commercial plus important. Alors je sais pas si ce que tu viens de nous dire c'est connu, enfin, moi je le savais pas. J'en parle pas trop pour l'instant parce que je crois qu'il doit être trop d'infos sur le nouveau groupe. Parce que c'est vraiment tous les membres encore c'est encore un peu frais quoi donc voilà mais musicalement ouais ça c'est un mélange de Pantera, Fear Factory, Lamb of God on va dire. C'est quoi une musique? Ça va être une musique plus directe, un peu moins prog, c'est ça? Beaucoup moins prog, plus rentre dedans, plus américain dans le son en fait. Et accordé très bas, et il y aura deux guitares dans Adagio. Le deuxième guitariste est vachement connu. Quelqu'un que tu as déjà rencontré, ouais, et qui t'as déjà travaillé? Ouais. Enfin, avec qui. Ouais. Ok. Bon, les connaisseurs pourront peut-être presque deviner alors. Je peux juste dire qu'il est ricain. Voilà. Il est américain, bon. Il a pas joué dans Megadeth. T'es pas obligé de répondre. Hein. Non, pas vraiment. Il n'a pas vraiment joué. Ok. Écoute, ce sont des nouvelles surprenantes. Et en tout cas, donc Adagio, tu n'es pas en train de dire que c'était annulé. Non, parce qu'on va faire le prochain album. Tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas. Bon, pour l'instant, c'est vraiment pas la priorité. D'accord. Donc Adagio existe encore. Faire un album qui nous plaît à tous musicalement et me concentrer sur l'autre pour l'instant et le prochain album aussi. D'accord. Ok, d'ailleurs, par rapport à ce nouveau groupe, tu penses officialiser. D'ici moins d'un an, j'aurai tout sauf. Mais je te parle au niveau du line-up par exemple, tu penses officialiser. J'attends que bientôt. Le deuxième gratteux finisse sa tournée sur laquelle il est en ce moment. Ah, nouvel indice hein. Ouais, c'est vrai. Dès qu'il a fini, on finit de faire la maquette. De là, le management s'occupe de démarcher tous les trucs. Donc, d'ici. Début 2013. Ouais, ou... d'ici 2013. D'accord. Bon. Ok, en tout cas, merci pour l'info. Et alors, sinon, est-ce que tu as des projets, ça se répond encore un peu, mais est-ce que tu as des projets particuliers en cours à venir? Donc on va dire hormis, le fait de monter un groupe, mais... J'ai l'album de ce nouveau groupe, l'album d'Adagio et l'album solo le prochain. Ah, un deuxième album solo déjà sur les rails. D'accord. Tu arrives à trouver le temps pour composer tout ça? Pour l'instant je suis vraiment sur le nouveau truc, parce que j'arrive pas à composer plusieurs choses en même temps. Mm-hmm. Je vais vraiment me concentrer sur une chose, la finir, après passer à... Ok, du coup je te remercie. Est-ce que tu as quelques mots, si tu veux dire quelques mots à tes fans Déjà que je suis content qu'on ait réussi à faire cette interview, c'est vrai qu'elle a été reportée, on n'avait pas pu la faire. Par rapport à la première fois, oui, effectivement. Ouais. J'apprécie vachement ce que tu fais pour la guitare aussi, en France. D'accord. Ça c'est pour moi, je te remercie. Ouais, mais je le dis quand même, puisque c'est toi qui m'interview, donc voilà. J'espère que les gens qui sont venus sur cette tournée ont apprécié nos 3-7. Que moi je me régale vraiment à jouer avec Marty le soir, enfin quand on jam sur scène. Ah oui, il y a un buff de... Ouais, quand c'est une scène assez grande, ouais. C'est toujours ça le problème. On l'a fait sur quelques dates, là ce soir on devrait le faire parce que là c'était pas mal. C'est plutôt bien. Ok, écoute, merci encore. Je pense que ce soir on va passer un bon moment. J'espère.